Il y a bientôt 10 ans, The Voice débarquait sur TF1. Dans la première saison, ce sont Florent Pagny, Jennifer, Garou et Louis Bertignac qui avaient pris place dans les célèbres fauteuils rouges. Au fil des années, de nombreuses stars de la chanson ont accepté de coacher les jeunes talents. Ainsi, Mika, Zazie, Matt Pokora, Pascal Obispo, Julien Clerc, Soprano ou encore Patrick Fiori ont endossé le rôle de coach. Cette année, ce sont Florent Pagny, Amel Bent, Marc Lavoine et Vianney que les téléspectateurs retrouvent tous les samedis sur TF1. Alors qu'il a longtemps refusé d'être coach pour The Voice, si est-il cette année que l'interprète de Beau Papa a fait ses débuts dans l'émission. Dans un entretien accordé à Télé 7 jours, Marc Lavoine, qui avait déjà endossé le rôle de coach dans la 9e saison de The Voice, a révélé quel regard il portait sur l'arrivée de Vianney dans l'équipe, si est-il un peu comme quand Mathieu Kassovitz joue avec Jean-Louis Trintignant dans Regard de les hommes tombés, on ne se dit pas qu'il y en a un qui vient d'arriver dans le métier et que l'autre a 40 ans de carrière, mais juste que ce sont deux artistes qui travaillent ensemble et qui apprennent l'un de l'autre. Ils partagent quelque chose de fantastique. Si est-il pareil, pour nous, avec Vianney. Évoquant le point commun entre les quatre coachs, le chanteur a confié, nous nous exprimons tous sans complaisance, mais avec gentillesse. La vérité n'est pas violente chez nous, elle est porteuse de solutions. Si est-il le seul moyen d'être à la hauteur des attentes de chaque candidat. Même ceux qui ne sont pas retenus se rendent compte qu'ils ont appris bien plus qu'ils ne l'auraient imaginé. Les coachs sont hyper gentils avec moi début février, si est-il pour LCI que Vianney avait évoqué son arrivée dans l'aventure The Voice. Après avoir révélé que Marc Lavoine et Florent Pagny étaient très protecteurs, le chanteur avait confié, les coachs sont hyper gentils avec moi, mais je reste quand même le petit bébé du truc. Ça n'enlève rien au fait que je suis quand même plus jeune. Donc oui, je manque d'expérience sur certains trucs, mais si est-il tant mieux et si est-il normal. Si est-il l'ordre des choses.